Move. Salut, c'est Narges pour Move très actu. Alors aujourd'hui, je suis à Marseille dans le 4e arrondissement et j'ai rendez-vous avec le rappeur Kemler. Est-ce qu'après chaque cuit, tu dis j'arrête? Après chaque meuf aussi? Est-ce que tu fuis les problèmes? Est-ce que ta meuf te fuit? Est-ce que t'as du mal à dormir le soir? Tu fous le volume de la télé à fond, mais t'écoutes pas l'histoire. Est-ce que tu regardes les gens dans leur caisse? Puis tu leur crées des vies, t'avais pas besoin d'Insta pour voir les fesses des filles. Est-ce que tu pleures en secrète devant les films et tu fais semblant de bailler? Est-ce que tu détestes ton voisin de palier? Salut Kem. Salut Narges, ça va? Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Bon, alors est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est là, très exactement? Ouais, on est dans le quartier où j'ai passé toute mon enfance, en fait. J'ai passé le plus de temps ici, ça s'appelle la Cité Beau Soleil à Marseille. Et pour le public qui ne te connaît pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, ben moi c'est Kemler, rappeur marseillais de 28 ans. J'ai sorti mon premier album le 8 juin qui s'appelle Rose. C'est plus quand ça fait mal, refrain, c'est plus quand je suis ravi. Et si j'étais pas moi, j'aurais même pas liké ma vie. Frérot, je m'en tape de représenter ma vie. Dans les oreilles, je veux dire, de Michael, de Marvin. Et tu me parles de ton tout premier morceau, Kem? Ouais, je m'en rappelle, c'était un peu dans les ateliers d'écriture. Dès le premier atelier, on devait écrire un premier morceau. Moi, mes influences, c'était beaucoup le foot. Donc, je parlais beaucoup de foot. Je crois que je parlais de Drogba, de Paoletta, des trucs un peu comme ça. C'était pas fameux, hein. Je te cache pas que c'était pas ouf. Et depuis, t'en as fait du chemin? Ouais, ça fait 15 ans maintenant que je fais de la musique. Ma musique vient de la RUE, des flows de Eazy-E, de toutes les femmes NUE passées par mon lit. De plein de films, des séries, de AMCA, de l'époque ABC par YMCA. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens de sortir mon premier album solo le 8 juin. Et cet album, il s'appelle Rose. C'est ça. Pourquoi? En fait, je vais te faire court, tu sais. Moi, ce que je voulais vendre avec cet album, c'était ma musique. Pas forcément mon visage. Et tu le vois d'ailleurs même par rapport à la pochette. Tu vois, c'est un monochrome rose. Tu sais, le filtre rose, c'est un peu ce filtre sur Instagram qui permet de gommer les fautes et tout ça. Et je pense que le titre vient un peu de là, je trouvais ça cool. Qu'est-ce qui me tracasse à part l'amour des miens, rien. Je suis paradoxal comme baiser malement, une fille bien suit. Hésitant surtout comme après un deux connes, une vieille baise ou un coup de gomme, je suis l'opposé de Gandhi. Je parle de me taper tout le temps, je dis que c'est jamais ma faute quand tout fout le camp. Et tu parles de quoi sur Rose? Je parle beaucoup de femmes, je parle beaucoup de mon parcours et de mon évolution dans la vie comme dans la musique. J'essayais de rester moi tout simplement en fait. Et on retrouve qui dans tes inspirations? Dans mes influences françaises, au départ, ben, IAM, NTM, un petit peu comme tous ceux qui ont connu le rap des années 90. Aujourd'hui, je suis beaucoup bercé par le rap belge. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Et Kem, si tu pouvais écrire un morceau de rap qui existe déjà, ce serait lequel? Ce serait X et Y de Kerry James, parce que je trouve que c'est le morceau qui, textuellement, m'a le plus impressionné. Qu'est-ce qu'on appelle un assassin de type crapuleux qui paye pas le nez entre le voyou et le psychopathe et l'approche à la limite. N'imagine même pas une vie après l'illicite. Quant à X, c'est un jeune qui a grandi trop vite entre la petite de la course et le grand banditisme. À 25 ans, il vient de tuer son premier homme et Y s'attache à lui faire croire qu'il est devenu un homme. Et dernière chose, dans 10 ans, tu te vois où? J'espère que je serai toujours sur Marseille et que je pourrai, avec un certain statut en fait, faire péter des petits jeunes super talentueux qui n'ont pas assez de reconnaissance. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne route à toi. Merci. Vous écoutez Move.